Bonjour, bonjour, nous sommes le dimanche 14 mars et il est 11h52, bienvenue sur France Inter. Non, je déconne, on est sur l'ITCHESS. On va faire quelques petits blitz et puis quelques parties rapides ce matin pour se détendre. Faut que je me chauffe un peu. On va essayer un 5 plus 0 pour commencer. Et puis, on fera des 10, 10 plus 0 je pense après. Pour analyser un petit peu les coûts, etc., etc. Donc là, je peux, voilà, hop, je vais jouer cavalier C3, hop, hop, hello. Voilà, donc c'est du 5 plus 0, 5 plus 0. Je suis quoi? Je suis 2206 en blitz. Et je crois que je suis 1500. Ouais, j'ai pas joué de partie rapide en classé. Alors, tout ça c'est correct. Pourquoi dame E7? Pour éviter pion prend cavalier, mais là je viens de mettre ma dame en E2 pour justement pouvoir prendre le cavalier au cas où. Il me demande ce que je suis en train de faire avec lui. Sénateur. Eh ben sénateur. Peut-être qu'il peut jouer cavalier ici. Je peux quand même jouer D4. D4 menace ça. Et je peux récupérer le pion aussi. Direct. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Oh, je crois qu'il a raté quelque chose là. Je pense qu'il a raté quelque chose. On va jouer ça. Sur fou ici. Fou B7. Qu'est-ce que je peux jouer? Oh, j'ai pas mal de choses là, non? Je suis plutôt bien là-dessus. On va pas pousser. Dame E2, elle est mal placée maintenant. Il menace de faire cavalier prend, non? Sur cavalier prend. Sur cavalier prend. Il y a la menace. Donc faut que je retire. Faut que je joue ça. Faudra que je bouge madame pour pouvoir roquer. Pas de soucis. On va jouer ça. Si fou prend, pion prend, on s'en fout. Je vais avoir la paire de fous. Ok. Bah, je vais pas avoir la paire de fous. C'est pas très intéressant de prendre. Il peut prendre ici. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est intéressant. Les cavaliers ont déjà bougé pas mal, je pense, non? Il me semble. Ou il peut roquer. Je sais pas. Alors, il réfléchit, il réfléchit. Il fait ça. Pour l'instant, j'ai toujours ma paire de fous. On verra si elle sera utile après. Ah, je pouvais peut-être faire fou prend H7. Ça change rien. Je peux peut-être le faire après. Prend cavalier échec. Dame. Bon, on va jouer ça. Allez. Si roi prend pas, j'ai gagné un pion, hein. Le pion H gratuitement, il ne prend pas. Pas de soucis. Alors, il menace de prendre ici. Est-ce que c'est bien grave? Surtout, il menace de prendre la dame. Donc, il faut gérer correctement. On va jouer ça. Je m'en fous un peu du pion là. Je vais jouer ça. Ok. Je vais jouer ça. Faut peut-être jouer le cavalier avant. Jouer ça, menacer cavalier prend F7 échec. Ça, c'est pareil. Est-ce que c'est grave, docteur? On peut peut-être jouer ça. Sur tour H8, il y a tour prend échec. Et voilà, il est tombé dans le panneau. Ok,
Alors, faut faire attention quand même, hein. Il faut faire attention quand même. Il y a toujours la menace. Ça, donc il faut jouer. Il faut jouer. Ça. Ça me paraît sympa, non? Ça me paraît plutôt sympa. On verra ce que dit l'analyse après, mais la menace c'est tour prend échec et puis je crois qu'il y a mat, non? Ok, good game. 25 coups, allez, rematch. Rematch, donc c'était assez easy. Une Scandinave, E4-D5, moi je joue la Baronne Cavalier F6. Pour gagner un temps de développement tout de suite, la variante portugaise avec fou G4, fou prend E2, cavalier prend, dame prend D5, donc j'ai récupéré mon pion. Maintenant on va jouer sur case blanche et on va développer les pièces. Voilà. Ok. J'échange tout de suite. On développe, on va faire le grand roque. Menace de prendre le pion D4. Il me le laisse, c'est gentil. Si fou prend, pion prend. Sur cavalier ici, fou E7. Donc il m'a donné un pion gratos apparemment. Un pion gratuit, ça fait toujours plaisir le dimanche matin. Enfin, dimanche matin, dimanche midi. Par contre, j'ai joué un peu vite. 15 secondes pour jouer 11 coups, faut que je fasse gaffe. Ça, on s'en doutait tous. On va jouer ça. Donc, j'ai quand même un pion gratos. Le but du jeu maintenant, ça va arriver dans... être... enfin, essayer d'arriver dans une finale qui soit favorable. Il a pas grand-chose là-dessus, je pense. S'il échange tout, ok, d'accord, pas de problème. On va déjà enlever une pièce. Menace de prendre la tour qui est là. Donc, petite fourchette. Je me demande ce qu'il va faire. Il peut peut-être faire un échange avant. Si tour prend, tour prend. Le problème reste similaire. Ok, il a décidé de me laisser sa tour. Bon, bah d'accord, hein. Okay. On va jouer ça. Va jouer ça. Là, par contre, il déconne un peu, peut-être, non? Ouais, il doit déconner un peu. Je pense qu'il déconne même beaucoup là. J'ai une tour en plus. J'ai une tour en plus. On va tout échanger. Et il peut abandonner, sénateur. Sénateur. Sénator. Allez. Je comprends pas pourquoi il abandonne pas d'ailleurs, parce que ce sera réglé tout de suite. Je pourrais faire une autre partie. Ok. On va jouer ça. Et là, je vois pas ce qu'il peut faire. Mais bon, si ça lui fait plaisir de poursuivre. Ouais. Good game, Sénateur, merci, 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 merci. Donc je l'avais déjà joué lui. Ah non, 2-0. Allez, je me suis un peu chauffé, on va essayer de faire du rapide. Rapide, c'est du 10 minutes hein, sur Lichess comme sur d'autres sites, je présume. Allez, on va créer une partie. 10 minutes, je suis 1500, voilà, jouer unrated, peu importe le classement des adversaires. Voilà. Alors... Salut, bonne partie, amuse-toi bien. 1041. Allez, là on a du temps pour réfléchir, on n'est plus dans du 5 plus 0. Voilà, D4, D5, il développe sa pièce, ou F4, C6, rien de particulier. On va développer les pièces. Voilà, pas de soucis. Ok. On va quand même mettre le fou à l'abri. On va jouer ça.
Il veut échanger, je sais pas quoi, mon fou. Non, on va pas échanger le fou quand même, on va attendre un peu. Alors, qu'est-ce que je peux faire? F6, c'est moche, hein. F6, c'est un peu laid quand même, hein. C'est pas que ce soit mauvais, mais c'est très laid. Puis après, pour développer le cavalier, si je joue F6, le cavalier va aller ici. Puis après, je sais pas où il va aller. Ici, il va revenir là, c'est. Non, non. Non, 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 non. Non, je vais continuer, je vais jouer tranquillement. À sortir, il peut pousser, ça me dérange pas. Faut faire gaffe quand même, hein. Mine de rien, là. Ouais. Voilà, t'es obligé de virer ton fou. Ah, par contre, faut faire. Ah, je prends. Je prends et je joue ça. H5. Je reprends. Il a plus de fou noir. Je reprends avec la tour. Bon, j'ai une structure qui est correcte. Mon roi, je pense que je vais faire le grand roque. De toute façon, la menace, c'est tour prend pour avoir un pion de plus et roquer directement. Donc, c'est plutôt correct aussi. Il a pas vu. Il a pas vu qu'il me donne un pion. Bon, c'est un pion de l'aile. Ok. Je sais pas ce qu'il fait. On va jouer ça. Menacer ce pion-là. Plus le roque. Le grand roque. Bon, il est 1000. Hein, donc, il a joué combien de parties? 4 parties. Ok. On va quand même jouer ça. Ah, il peut jouer ça. Ben non, il peut pas. Est-ce que je prendrais avec la tour? Non, quand même pas. Non. Mais il peut jouer ça, ouais. Et venir ici avec un bon cavalier. Je sais pas si c'est vraiment grave. Voilà, il veut échanger là. On va échanger. On va faire le roque. Voilà. Maintenant, il peut venir ici s'il veut. Mon roi revient en B8. Et puis rien de particulier. Le roi, bah, il peut plus roquer. Le roi blanc peut plus roquer. Donc c'est plutôt satisfaisant pour moi. Il vient de jouer F4. Il me redonne un pion là, non? Échec. Ou alors que j'ai raté un truc. Menace de prendre le cavalier. Donc il faut qu'il joue ça. C'est bon. Je pourrais jouer le cavalier si je joue B5 là. S'il joue ça, il fait quoi avec le cavalier? Il est un peu mort, non? Bon, d'ailleurs, on va jouer ça. Ouais, il m'a laissé jouer là. Il m'a laissé jouer. Il peut. Ouais, il va perdre le cavalier, je pense. Mais 8 minutes, je joue encore trop vite, beaucoup trop vite, et certainement lui aussi, parce qu'on est quasi à 20 coups, on n'a même pas joué. Il a joué 2 minutes 30, mon adversaire, mais moi j'ai joué 1 minute et demie, donc. Bon, c'est peut-être facile à jouer, mais. 10 minutes, c'est fait pour jouer lentement, avoir le temps de réfléchir. Bon, ben. Ok, merci. Je sais pas pourquoi il joue ça. Ah, parce que si dame. Ben non, il n'y a rien du tout là. Je vais prendre avec le. Il menace quoi? Il menace à rien. Ouais, il joue ça. Faudra faire gaffe. Ouais, je prends, ouais, j'échange tout. Et là. Ça va être super chaud son histoire. Je sais pas ce qu'il va jouer. Hein. Roi sur case noire. Et puis on va pousser un pom 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 pom. J'ai une pièce de plus, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pions. 1, 2, 3, 4. Pardon, hop. Donc un fou et deux pions, ça doit gagner. Hein. Je pense que ça gagne. Bon, c'est pareil, c'était assez facile à jouer aussi, ça, donc.
Hop, petite enfilade. C'était pas utile de gagner une pièce supplémentaire, mais là c'est. Enfin voilà. Bon, j'espère qu'il va pas la jouer jusqu'à la fin. Ok, bon, je prends. Je sais pas, il y a tellement de. Tout est bon, donc allez, on va pousser. On va pousser les pions, allez. Quand on arrive dans une position comme ça, en fait, on réfléchit plus vraiment à ce qu'on peut jouer et quels sont les meilleurs coups. On joue juste parce qu'on sait que ça gagne et puis basta quoi. On va jouer ça, récupérer celui-là. Ensuite, je pourrais pousser. Boup, 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 boup. Si, 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 si. Non, je déconne sur l'échiquier là. Bon là c'est normal de jouer vite par contre. Il n'y a rien. C'est du pipeau. On prend le pion. Allez, on échange. Hop. On va jouer ça. Moi, il peut abandonner, mais il abandonnera pas. Allez, on va faire une dame de l'autre côté. Ah là 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 là. C'est pas facile, hein. Ouais, je sais. Puis on prend échec. Allez, on pousse. Donc il a joué 4 parties, je pense qu'il a perdu les 4. Allez, on s'en fout, on pousse. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? La seule pièce qui peut encore bouger, c'est le fou. Qu'est-ce que tu veux faire avec un fou, hein? Il n'y aura plus rien sur l'échiquier. C'est compliqué, hein? Abandonne, abandonne. Oh là là. Puis, tout ça pour sacrifier le fou. Hein. Bon, peut-être qu'il débute, hein. Voilà. Je comprends. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe. C'est bon. Hop. Puis ça mate. Va jouer ça. Voilà. Ok. Merci, Shells Gajar, qui est parti sans m'avoir dit merci, mais c'est pas grave. Allez, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Bienvenue sur le live, hein, si vous regardez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est plutôt des blitz et là des rapides. Donc je vais lancer. Hop. Alors, Assem Ahmed 143. Et ben hop, good luck. Allez, c'est parti. Cavalier C3, 5-4. Allez, on développe les pièces. Je sais pas si c'était utile de jouer tout de suite, peut-être. Hein. Là, je joue A4 pour éviter B5, évidemment. On va jouer F4. Fou prend, donc il est 1500. Ah, il a jamais joué, peut-être. Il peut peut-être jouer fou G4 là-dessus, non? Ah, il joue timide. Est-ce qu'il y avait fou G4 avec peut-être l'opportunité de jouer ici et de clouer le cavalier? Je sais pas. On va jouer ici. On va retirer le fou pour pouvoir mettre la dame ici. Si le fou était encore là, il y avait une fourchette pas cool. Alors après, j'ai pas réfléchi des masses, mais ça m'embêtait, donc je garde mon fou noir. Problème. Oh, ça joue trop vite. Faut faire attention. Si je reprends de la tour, il y a toujours ça. On va prendre de la dame. Ah, par contre, il a raté ça. Je vais jouer ça. Comme ça, je peux sauver mon fou blanc.
qu'est-ce qui serait bien de jouer? Il y a toujours des trucs là-dessus sur H6 là, ok. Du coup, je gagne un pion. J'aime bien gagner les pions. Enfin, j'aime bien. Ah, il me donne. Ok, il me donne. Donc là, il me donne une caloche. Alors, il y a un cavalier là qui menace la tour, mais je peux revenir. Sans difficulté, ouais, c'est un peu mort, non? Il a joué un peu vite. Alors, je vais fermer ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, il a poussé D5. Je sais pas pourquoi il a poussé D5. Si je prends, il se passe quoi? Si je prends ici, il va jouer quoi ça? Ouais, il me donne un. Ok, moi je prends. Je vois pas où est le problème en fait. Donc, je prends. Ok, je vais jouer ça. Il menace toujours de prendre le cavalier. Qui joue, je pense ça, non? On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Il a joué ça, normal. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de la bidouille? Ça, c'est protégé deux fois. Il n'y a pas un truc là-dessus, là? Non, non, mais par contre, cette case-là, elle m'intéresse. Comment je peux gérer ce truc-là? J'ai plus de fou, non, faut que je revienne ici. Faut que je revienne ici. Et puis ensuite, revenir là. Mettre la pression sur la colonne H. Ensuite, faire peut-être ça. Ok, pas de souci. On va doubler. On va peut-être réfléchir avant, hein, s'il y a un truc. Donc je présume Dame D6 pour recontrôler une fois de plus le pion H6. Si je fais ça, cavalier là, il se passe quoi? Menace le fou et la dame. Il va être obligé de lâcher, quoique le fou, il est pas. Et en plus, ça me donne un temps de développement. J'ai pas grand-chose à y faire, tu vas me dire, mais. Ici, s'il prend, c'est grave, docteur. Je sais pas. Oh, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, si je sais pas. J'ai 7 minutes, donc j'ai le temps. Je regarde s'il n'y a pas des trucs à jouer quand même. Là. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas à récupérer des trucs. Fou ici, mais bon, voilà quoi. Menacer le cavalier, après il irait où? Ouais, c'est pas mal ça en fait. C'est juste pour emmerder la dame quoi. J'hésite entre fou F4 et cavalier E4. Je vais jouer ça. Menace directe sur le cavalier. La mise à part tour ici, je vois pas. Ou alors, non, non, pas. Déjà que la structure du roc, elle est un peu moisie. Je pense pas qu'il faille en plus bouger G6 ou je sais pas quoi. Ah, il joue ça quand même. Hein. Ouais, je joue ça, non? Là, il me donne la pièce, non? Il me donne la pièce. C'est gentil. Ok. Je sais pas pourquoi il fait ça. Je peux pas. Ah, menace de prendre le fou. Attention. Si fou prend H6. Si dame prend. Il perd la dame. Donc pas possible. Fou H6. Cavalier prend. Dame prend. Roi G8. Oh, c'est. J'aime pas, c'est pas beau. Non, mais je vais, je sais pas.
Ouais. Salut Liana. Comment tu vas? Est-ce que je joue quand même fou pour un H6? Sachant que ce que j'ai dit tout à l'heure, ça marche pas. Si dame prend tour, dame ici et revient, protège le roi. Donc faut faire gaffe. Le fou est en prise. Est-ce que c'est gênant? Non, c'est pas gênant. Ça n'est pas gênant. J'ai pas envie. Le fou, il a une pression sur H6. Si je l'enlève, si je le mets en G3 par exemple. En plus, je peux même pas venir avec ma tour en F1 parce que dame prend. Je suis un peu embêté. Oh, je joue ça. Ah, oh, c'est moche. Hein. Ah, c'est super moche. Hein. Ou alors je bouge ma dame. Je joue ça. Ouais, dame H3. Allez. Là, ça. Ok, pas de problème. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Moi, je vais... Oh, attention, petit loup. Ne va pas dans la forêt. Je joue un peu de la merde, là, non? Pourquoi tu descends ta tour à côté du fou? Je sais pas. C'était à quel coup? Là, je viens de jouer le 22e. Il menace de prendre. Ouais, bah il menace de prendre, ok. J'ai une pièce en plus, non? C'est pas ça l'idée. Pourquoi je joue pas ça, tout simplement? Ou ça? Non, non. Ouais, je peux jouer ça. Ouais, je joue un peu de la merde là. Ah, il me reste que 3 minutes. 3 minutes. Allez, je vais speeder un peu. Ok, c'est bon. Hop. Ah, oh, le piège. Oh, le piège. Ah, il peut pas prendre. Ah, bah, je sais. Et ouais, au revoir. Au revoir, merci. Ciao, baby. Donc, il vient de me donner la dame. Ah, je suis vraiment désolé, désolé. Tour E4. Tour E4, mais à quel coup? À quel coup? Ah non, mais là, je prends quand même. Hein. Pas de débile. Ok. Ah! Une petite menace. Mais là, ça rien du tout. Hein. Faut que je joue plus vite. Hein. On va jouer ça. Bon, il n'y a rien. De toute façon, c'est un leurre. Je me dépêche. Tour E4, mais à quel coup? Pourquoi j'ai descendu, il dit. Alors attends, on en est là. Toc toc, échec, tour ici. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je sais pas, j'en sais rien. Là, peut-être, tour F5. Ok, il a joué quoi? Ah oui, c'est la pile. Ah, peut-être là, tour E4. Ok, donc au. Tour E4 au 23e coup, pourquoi j'ai descendu? Je sais pas. Je sais pas, j'avais envie. Ouais, je l'ai mis en E4, ouais, t'as raison. Alors attends, parce que ça doit être à moi de jouer. Hop, il a joué un roi. Il a joué un roi, il me prend pas. Tiens, c'est marrant, il me prend pas. On va jouer ça. Ça sert pas à grand-chose, mais bon, voilà quoi. Il me reste 2 minutes 20, donc faut que je la termine en bullet. Hein. Il y a 6 minutes. Ouais, non, mais c'est gagné, c'est pareil, enfin voilà quoi. Le cavalier peut pas bouger parce qu'il y a cette case-là pour un échec avec la dame, donc c'est très très embêtant. Allez, c'est parti! Je peux me jouer ça. Ouais non. Moi non, on va jouer simple, on s'en fout.
je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas, je peux peut-être jouer ça. Ouh, c'est un petit piège. L'as de mat ici, si le cavalier s'en va. Bah sinon il y a mat ici. Donc au choix du client. Ouais, effectivement, quoi qu'il arrive, il y a mat, ouais. Voilà. C'est bon. Merci Assem Mohamed de 143. Bon, il a merdouillé un peu, mais voilà quoi. Alors, je vous rappelle que vous pouvez aussi, si vous souhaitez, je crois que je l'ai mis dans challenge, en 10 plus 0 ou 5 plus 0. Voilà, vous pouvez me challenge sur Lichess. En attendant d'avoir des défis, si toutefois il y en a. Je vais recréer un petit. Je vais faire un 5 là, comme ça si j'ai des défis, je pourrais les faire plus rapidement. Allez, c'est parti. Un blitz. Ah, je l'ai mis en 4. Non, pas en 4, non, non. Je vais le mettre en. En 5. 3. Ouais, vous pouvez me défier en. Vous pouvez me défier en. Non, pas bullet, blitz, c'est rapide, ouais, c'est quand même plus sympa. Alors, je vais la jouer, je vais essayer de faire un 3 plus 2. Et puis ensuite, effectivement, je retournerai à du 10. Allez, 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 allez. Une petite adversaire. Only bullet, maté. Donc lui, il joue qu'en bullet. Allez, hop. Salut, Afshan, 1973. Allez. On va ah, je peux plus grossir l'échiquier. Tant pis. Ok, allez, allez, on y va. AS63. Alors, on développe, hein, tranquillement. J'aime pas échanger. Donc, si j'aime pas échanger, j'échange pas. Bonjour. Rock. Je vais jouer C3 peut-être bien ici. Ok. On va jouer ça. Peut-être qu'il aurait mieux valu jouer ça d'ailleurs avant. Dame 2. On va quand même regarder. Ah, j'ai 2, 3 plus 2, donc j'ai quand même du temps. Je peux jouer ça. Je peux jouer F5, je peux jouer ça. Pour l'instant, il n'y a pas de drame. On va jouer la tour. On reprend. Il se passe des choses. Il se passe des choses, cavalier. Ok, je sais pas ce qu'il va faire. Y a pas cavalier prend F7, tour prend E6. Est-ce que ça m'amène à quelque chose ou est-ce que c'est ridicule? Ou alors, fou prend. On prend cavalier. Non, c'est complètement débile. Non, par contre, c'était marrant, mais je pense que ça m'amène à rien, quoi. Cavalier point F7, tour prend E6. Mais j'ai que dalle, quoi. Je regarderai, tiens, celle-là, je la regarderai après. T'as déjà 59 follow, et eh ben écoute, félicitations, moi je sais pas combien j'en ai. 50, 45, je sais pas. Truc dans le genre. Il faudrait que je ramène une tour sur la colonne. Donc je sais pas comment je vais faire pour ramener ma tour sur la colonne. Si je pousse ici. Si on prend, il se passe quoi? Rien du tout. Non, je vais être obligé de jouer. Je sais pas.
Je ne sais pas. Il faut que je me dépêche. Là, je vais jouer ça. Je vais essayer de jouer les pions G et H. Mais bon, après je sais pas, mon cavalier, faut que je le mette là. Ok. Ah, j'ai joué trop vite. Échec. Je perds un pion. Suis obligé de jouer ça. Il peut prendre ici. Menace mat. Ouais, j'ai vu trop tard. J'ai vu trop tard. Menace mat. Bon, on va jouer ça. Non, on peut pas. Si, on peut. Ok, pas de problème. Là, par contre, il me donne des trucs, non? Non, il me donne rien, là. Ah, faut que je me speed. Joue pas assez vite, hein. La dame, elle est pas perdue si je... Non, 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 elle est pas perdue, elle tout reprend. Pas de conneries. On va jouer ça. Ouais, il peut prendre rien du tout parce qu'il y a la tour qui défend le pion et le fou, donc il peut pas prendre. Voilà, ça déjà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Bah pousser peut-être. De toute façon, il va falloir que je me bouge un peu parce qu'il me reste plus qu'une minute. Hein. Même s'il y a l'incrément de 2 secondes, j'ai intérêt à me speeder un peu. Est-ce qu'il peut tout échanger? Plutôt celui-là d'ailleurs, qui sert à rien parce qu'il attaque pas ici. Peut-être, ouais. Peut-être qu'il peut faire des choses comme ça. C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Après, je peux le mettre ici ou pas? Bah c'est bon. Ah, il faut vraiment que je me bouge, hein. Ah, il y a F6. Ah, F6, ça tue un peu du boudin. Ah, F6, ça tue. Il me reste plus de 48 secondes. Si je joue F6, je suis un peu mal. Et il lui reste 1 minute 20, donc il a large. Ah, par contre, il joue pas F6, il joue ça. Je peux jouer ça, non? Où est le problème? Ça. Menace cavalier échec. Bon, après ça marchera peut-être pas, mais ouais, je suis pas rapide, je suis pas rapide. 37 secondes, 1 minute 10. Alors, est-ce qu'il a des trucs à faire? Ouais, il a des trucs à faire. Il peut peut-être descendre, non? Je sais pas, pour essayer de. Non, mais moi, de toute façon. Il faut que je me bouge un peu, faut que je joue ça. Mais je sais pas si ça marche ou ça. Le cavalier D6 ou F6. Cavalier prend, pion prend, il bouge sans roi, il n'y a pas de menace de mat, mais il y a tour prend F7, ouais, je sais pas. Moi, ouais, si, si, peut-être. Ouais. Bon, regardez. Peut-être je suis complètement dans l'erreur. Il menace. C'est bien ce que je pensais. Le monsieur menace. Un truc à jouer là tout de suite direct, allez boum 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 boum. Secondes, oh, ça craint du boudin. Ah, on va jouer ça. Il peut prendre. Pour l'instant, je protège encore. Menace de mat encore. Hop. Ah, je pense que c'est fini. Je pense que c'est terminé. Rideau, il a pas fait gaffe. Il y a le mat en G7, à moins qu'il joue. Je sais pas ce qu'il peut jouer. Il peut rien jouer de toute façon. Merci. Voilà, good game. Ah, il a pas. Il était super gagnant. Ah, il est parti. Il a pas voulu en jouer une. Ah là 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 là. Oh, quel talent. Non, je déconne. C'était à chier. C'était à chier, par contre, du coup je vais l'analyser pour savoir quelles grosses conneries ont été faites après. Et après je refais un request computer, c'est bon.
pont. Là, on a le 11 plus HCE. Je ne sais pas ce que ça veut dire, HCE. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau des stats? Il nous dit... c'est horrible. Mon adversaire, 3 coups inutiles, 4 erreurs, 5 blunders. 4 coups inutiles pour moi, 4 erreurs, 4 blunders. C'est moche, c'est très laid, c'est... Ah, c'est très laid. Allez, on va la regarder vite fait, puis après je refais du rapide. Alors, okay, hop, hop, là, apparemment c'est normal, nous dit l'ordi. Ok. Que j'ai 3, c'est un peu bizarre, mais il n'y a rien de particulier. Là aussi, apparemment. Ah, il dit pousser F5 tout de suite là. Ouais, on remarque, c'est pas con, il y a le fou, il peut pas contrôler la case F5. Ok. Rock. B6. Ok, rien de particulier. C'est. Voilà. Fou B7. Encore F5. Je joue pas F5, mais effectivement. Ouais, ouais, ça c'est une grosse connerie. Erreur. F5 était le meilleur. Ok. Tour C8. Ça c'est une erreur aussi de la part de mon adversaire. Ok. Ils ont mis des petits machins là, mais moi ça me perturbe plus qu'autre chose. Oui, ça correspond, la couleur correspond au degré de l'erreur. Ok. Donc là, il joue 6. On en est où? Ouais, même un peu, tout petit avantage noir. Dame 2, c'est un coup qui sert à rien. Lui me propose quoi? Ça pourrait changer, peut-être. Ouais. Ok. Coup qui sert à rien, c'est même une erreur. Apparemment, cavalier D5. Moi, je dois jouer quoi? Je dois mettre une tour, mais pas sur la colonne E comme je l'ai positionné tout à l'heure, mais sur la D. J'ai joué quoi? Dame G4, qui est une erreur, mais ça, on s'en doutait. Il peut jouer C5, donc commencer à essayer d'ouvrir un peu. Ok, je suis pas revenu en E2, il me dit de revenir, mais je suis pas revenu. Je suis venu en H3, quasiment en position égale, nous dit l'ordinateur. Alors après, il y a du blunder. Il y a du blunder, regardez. C5 blunder. Ok. Pourquoi il me dit de faire quoi là? De pousser F5. Ah oui, quand même, ouais. Ouais. Pousser F5. D'accord. Tu viens de faire nul contre Paki. Bah, félicitations, Yannor. C'était en quelle cadence? Parce que Paki, il est quand même. Bah tiens, en parlant de rapide, je crois qu'il est 2002 en rapide, il va pouvoir s'inscrire au tournoi Elite en rapide, je sais pas s'il existe d'ailleurs, mais voilà. Donc F5, il fallait jouer, je vais jouer blunder, 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 grosse blunder, ok. Puis on prend, il fallait pas prendre, il me dit que reprendre c'est blunder, ok, pourquoi? Parce qu'il joue là, oui, bah c'est ce qu'il a joué je crois, non? Ah non, il a joué ça avant. Il faut encore je joue F5 sur cette position là, faut ouvrir. Moi je veux bien, hein, mais ok, pas de problème. Hein. Position égale. Ça c'est oui, non mais évidemment, parce qu'à ce moment-là, il ne restait plus énormément de temps. En 3 plus 0. 3 plus 0. Ok, ouais, donc il est quand même fort, Paquito, en 3 plus 0. Donc nul, c'est plutôt bien. Et il joue ça, et il dit il fallait prendre. Ah non, il de jouer cavalier C3. De jouer ça, si cavalier prend, cavalier prend. Ok. Bon. Ouais, ça me plaît pas trop la position, donc j'ai joué ça. Et c'est là où j'ai perdu un pion. Et là, gagnant, largement gagnant pour les noirs, moins 4, là je peux abandonner. Tour F2, c'est ce qu'il proposait, l'ordi, je pense. Oui, de toute façon, il n'y a pas autre chose à jouer. Ça, c'est pas bon. C'est pas dramatique, mais c'est pas bon. L'ennemi jouait quoi? F5 encore. En fait, toute la partie. Toute la partie c'est F5, F5, F5. Mais s'il joue F5, il fait quoi? Si après, ok, il peut jouer cavalier là. Oh, c'est space quand même. Hein. C'est quand même très particulier. Hein. Non, j'ai pas joué ça. Non, non, j'ai pas joué. Mais peut-être, ouais, ouais, je regarderai. Ça, c'est encore une erreur. Tu m'étonnes. Fou des deux, c'est. Oh là là. Gros, gros, oui, bah oui, F6, je l'avais dit tout à l'heure, mais il l'a pas joué. Qu'est-ce qu'il a joué?
Je vous prends ces gros douteux. Et là, par contre, on est passé en deux coups. Hein. En deux coups, donc de moins 6 à il prend, pion prend, boum, à plus 0,6, donc position égale. Donc il a craché tout. Bon anniversaire à qui? C'est l'anniversaire de qui, Liena? Il a viré tout son gros avantage de la partie gagnante. Il a joué ça. Fou prend. Voilà, après on termine, il a joué des conneries. Douteux. Là, par contre, c'est gagnant là. Il me dit de jouer ça. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai joué? Ok. Et s'il joue Damashisa? Ok. Mais il fallait qu'il fasse quoi? Bah là, oui, c'est fini de toute façon. Voilà. Mat en 2, ok. Enfin, mat en 1. Ah, sauf si. Voilà quoi. Il peut rien faire. C'est mort, c'est mort. C'est l'anniversaire à moi. Pourquoi c'est l'anniversaire? Bah non, on est le 14 mars. Mon anniversaire, c'est pas le 14 mars. Donc, il est un peu passé là, je crois. Donc, c'était une partie un peu moisie quand même, hein, un petit peu moisie. Donc, je vous rappelle, vous pouvez toujours me challenge sur Lichess. Et puis, effectivement, si vous voulez faire partie d'une équipe qui est sympa, je crois que j'ai mis. Hop, je crois que je l'ai mis comme ça. Voilà. Donc, il y a le compte Twitch. La chaîne YouTube et puis bah, et puis c'est pas mal et puis son équipe sur l'ITS voilà donc c'est plutôt sympa Paquito il stream quasiment peut-être pas tous les jours mais quasi donc c'est plutôt bien allez je regarde quelle heure il est vite c'est midi 1h moins 20 je vais refaire une petite partie en 10 en 10 en 10 en 10 plus 0 on va essayer ça tranquillement va remettre 10 0 peu importe le classement de l'adversaire allez je vais agrandir un tout petit peu l'échiquier je l'ai déjà revu enfin je l'ai déjà joué lui tout à l'heure D4 D5 hein. Allez on va développer les pièces allez puis après celle-ci j'irai manger quelque chose d'accord ok je ne sais pas pourquoi il joue ça on va jouer ça. Je vais jouer F5. Après, je joue F5 pour développer. Ok. Je fais ce que j'ai dit. Si cavalier prend, pion prend, celui-ci prend. Pion doublé, mais c'est pas très grave. Voilà. Bon, évidemment, j'ai un pion, enfin une case F7 qui est un peu faible là, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Allez, on va échanger. On va échanger. Allez, d'accord, ok. Bon, bah écoute, bon appétit, Liénard, et puis à tout à l'heure. Il va y avoir pas mal de choses qui vont se faire, je crois, sur l'ITS cet après-midi. Il y aura pas mal de stream, cavalier prend, fou prend, ça va m'embêter un peu, je vais jouer ça avant. Allez. Après, je jouerai fou G7 et je recrée. Puis on verra ce que ça donne. Bon app. Bon, bah, il pense aussi, hein. Enfin, il pensait aussi, il pensait tout court. Je joue un peu trop vite pour le rapide. Ok, on va jouer fou G7, comme on a dit, menace de prendre. Il faut se méfier parce que les pions là ils vont aller vite. Je suis pas sûr de faire le roque, le petit roque d'ailleurs. Je vais juste échanger les pièces là parce que le cavalier il est quand même bien placé. Voilà. Et puis ensuite on va voir. Si pion prend, c'est royal. Voilà. Donc c'est ce que je disais, royal. Je peux même peut-être jouer ça. Petite pression là-dessus. Je me demande dans quelle mesure je vais pas jouer ça. Le pion là, il reste, je m'en fous. Faut quand même roquer. Je peux jouer ça. On va faire le grand roque. Et après, on repositionnera tout ça proprement.
Ok, allez, on y va. Je me demande si je peux pas jouer, si je peux pas pousser. Je sais pas, on va voir. Donc lui, l'agresse, il vient de pousser H4. H4, H4, H4. Ouais, je vais quand même le prendre ce pion-là, il va m'ouvrir un peu des choses et mon fou, grâce à ça, mon fou blanc pourra bouger. Ah, il peut pousser, je m'en fous complètement. Là, par contre, je prends en direct. Et ensuite, quand ce pion sera plus là, je pourrai effectivement. Voilà, on y va. Faut pas que j'ouvre la colonne, hein, évidemment, parce que sinon, ce sera un peu dramatique, certainement. Alors, il a pris dame prend, tout ça c'est normal. Et après, je pense que je vais bouger, il faut que je bouge. Et puis, me servir de ce pion-là. On va jouer ça. Pas de souci, on va mettre l'envoi sur case noire. Ah, il a des choses comme ça. Parce qu'il en faut jouer ça. Roi B8 hein, sur dame A4. Bon, ça va, il joue pas ça. Il joue pas ça, il joue pas ça. Je peux pas pousser. Non, on va jouer ça tout de suite. Allez. On va quand même être sérieux, hein. Ça me dérange absolument pas. Je veux me servir du levier, donc faudrait que je. Il reste 8 minutes et mon adversaire un peu moins de 7, donc il faut que je bouge ma dame, ça je m'en fous. Faudrait que je joue ma dame ici, pousser E5 et pousser ici. Ouvrir un petit peu le centre là. Qu'est-ce qu'il peut jouer là-dessus? Sur le roquet, ça va être déjà compliqué. Non, je ne vais pas remettre mon truc ici. Je veux justement bouger. Je veux pousser le 5. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut jouer son fou ici. Ouais, d'accord, ok. D'accord. On va jouer ça. Pousser et puis ensuite on va pousser. Le roi est au centre, il faut ouvrir. Il faut ouvrir. Par contre, faut pas que j'ouvre la colonne. Faut faire attention à ça. D'où le levier qui me permettra de reprendre avec le pion E et pas le pion C. Bon. Bon. Ok, on fait ce qu'on a dit. Il n'y a quand même pas roquet là-dessus. Alors ouais, il est pas safe du tout, hein, donc. Parce que là, roquet, ça me paraît délicat. Après je joue ça. La colonne, elle va s'ouvrir, ça va être chaud. Chaud, très chaud. Non, il peut pas roquer, je pense. Ah là, par contre, c'est space. Hein. D'accord. Ah oui, il peut pousser, ouais. Bon, d'accord. Bah écoute, c'est parti. Moi, je commence ce que j'ai prévu. Ouvrir, ouvrir. Si pion prend. De toute façon, je reprends du pion E. Obligatoirement. Enfin, obligatoirement, je vais pas ouvrir la colonne C comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà. Ensuite, je vais rejouer mon fou ici, je pense. Ici, et puis, bon, là-dessus, je viens ici, pas de souci pour revenir ici. Ensuite, ok, ça, c'est rien de particulier.
peut pas faire grand chose, il est un peu ficelé avec son roi qui est un peu dans le centre là. Ah, bigre diantre bougre! Il veut! Attends, attends, attends. Et ça menace rien ça de prendre là? J'ai bougé la dame non? Échec. Ah, si, allez, on joue ça. Ah! Ah ah! Es un marino, hein? Bon, il peut jouer Dame C2. Je sais pas. Dame C2. Puis on prend échec. Faut pas qu'il reprenne, sinon il y a une vieille découverte. Oui, il la joue comme ça, lui. On va jouer ça, de toute façon. Gagne un temps. Il peut pas reprendre, il est échec. Je vais changer son fou blanc. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. On va jouer ça. Échec. Et puis ça mate. Ça devrait mater. Ok. Je gagne la tour, est-ce que je la prends ou est-ce qu'il y a autre chose? On va prendre la tour. Voilà. C'est bon. Bon bah abandon peut-être non. Ce tour ici. Et là, ça contrôle. Ça contrôle pas mal de petites choses. Non mais la partie de toute façon elle est vissée. Qu'est-ce qu'il veut jouer là? Je comprends pas ce qu'il veut jouer. Va faire échec. Il est obligé de venir ici. Jouer ça. Pourquoi je joue ça? Je sais pas. Pour jouer ça après, non. Pour doubler, peut-être. Bon, de toute façon. Quand c'est comme ça, c'est ça le problème. Quand là, effectivement sur l'échiquier une position qui est éclatante de gain on réfléchit plus et je pense qu'effectivement c'est un tort quoi. C'est un tort parce que bon là je pense qu'il y a rien quoi. Je pense qu'il peut rien faire du tout mon adversaire mais je peux jouer ça peut-être non. Y a pas un truc rapide là? Si je joue échec, il joue ici. Ben oui, je vais jouer ça. Je suis con. Il est obligé de venir ici, non? Ouais, ok, échec. Est obligé de venir ici. Échec, et puis voilà, c'est fini. C'est terminé. Ah, attention. Peut mater là, non? Jouer ça. Good game, good game. Bon, ben voilà, merci Shell the Gajajar là. Et puis, allez, il est quasi 13h. Ça fait pas très longtemps que je suis en live, ça fait un peu plus d'1 heure.
Je vais m'arrêter là pour, j'allais dire ce matin, ce midi, en tout cas, à ce moment de la journée. Puis je reviendrai peut-être tout à l'heure. Je pense qu'il y a pas mal de lives qui vont avoir lieu cet après-midi. Je pense qu'il y a encore des compètes officielles. Et puis il va y avoir il y a la ligue ce soir, je crois que c'est à 20h. Il y a une conférence sur les choix tactiques, je crois que c'est à partir de 18h. Je sais pas le lien ici, mais voilà. Et puis je reviendrai certainement faire un petit live dans l'après-midi avant d'aller participer à la conférence. Donc voilà, et ben écoutez, merci d'être passé. Merci d'être passé. Et puis ouais, je pense que la prochaine fois, je referai également quelques rapides en essayant de mixer les blitz et les parties en 10 minutes ou 10 plus 2, et puis on verra bien. Voilà, en tout cas, merci d'être passé. Bonne app, bon dimanche, bonne plage, enfin ce que vous voulez, quoi. Allez, on y va. Waiting for the stars to align.